C'est triste, des gens qui se couchent. On voit bien qu'ils se foutent que les choses aillent comme elles veulent. On voit bien qu'ils ne cherchent pas à comprendre, eux, le pourquoi qu'on est là. Ça leur est bien égal. Ils dorment n'importe comment. C'est dégonflé. Des huîtres. Des pas susceptibles. Ils ont toujours la conscience tranquille. J'en avais trop vu, moi, des choses pas claires pour être content. J'en savais de trop, et j'en savais pas assez. Faut sortir, que je me dis, sortir encore. D'autant plus que j'avais beau me retourner et me retourner encore sur le petit plumard, je ne pouvais accrocher le plus petit bout de sommeil. Même à se masturber dans ces cas-là, on n'éprouve ni réconfort, ni distraction. Alors, c'est le vrai désespoir. Ce qui est pire, c'est qu'on se demande comment le lendemain on trouvera assez de force pour continuer à faire ce qu'on a fait la veille et depuis déjà tellement trop longtemps. Où on trouvera la force pour ces démarches imbéciles, ces 1000 projets qui n'aboutissent à rien. Ces tentatives pour sortir de l'accablante nécessité, tentatives qui toujours avortent, et toutes pour aller se convaincre une fois de plus que le destin est insurmontable, qu'il faut retomber au bas de la muraille, chaque soir, sous l'angoisse de ce lendemain toujours plus précaire, plus sordide. C'est l'âge aussi qui vient, peut-être, le traître, et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Voilà. Toute la jeunesse est allée mourir déjà. Au bout du monde, dans le silence de vérité. Et où aller dehors? Je vous le demande, dès qu'on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir, mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Le mieux était donc de sortir dans la rue, ce petit suicide. Chacun possède ses petits dons, sa méthode pour conquérir le sommeil et bouffer. Il fallait bien que j'arrive à dormir pour retrouver assez de force pour gagner ma croûte le lendemain.
retrouver de l'entrain. Juste ce qu'il fallait pour trouver un boulot demain. Et franchir tout de suite, en attendant, l'inconnu du sommeil. Faut pas croire que c'est facile de s'endormir une fois qu'on s'est mis à douter de tout. À cause surtout de tant de peurs qu'on vous a faites. L'existence n'est peut-être en somme que cet énorme mal qu'on se donne pour demeurer 20 ans, 40 ans, davantage raisonnable, pour ne pas être simplement profondément soi-même, c'est-à-dire immonde, atroce, absurde. Cauchemar d'avoir à présenter toujours comme un petit idéal universel, surhomme du matin au soir, le sous-homme claudiquant qu'on nous a donné.